Salut tout le monde, c'est Maestro, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de très bonnes fêtes et que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, voici un nouveau projet. On reste en première ligue avec cette fois à Manchester United, club mythique en Angleterre qui a un grand passé, qui ne gagne plus de titres depuis plusieurs années. Voici donc notre entraîneur pour ce projet, le Norvégien Ole Gunnar Solskjær, arrivé en 2018 et ancien joueur des Red Devils qui connaît très bien la maison. Du coup, notre objectif va être assez simple dans cette carrière, à savoir ramener le club sur le devant de la scène européenne en essayant d'aller le plus haut possible en Ligue des Champions, mais aussi en gagnant évidemment des titres nationaux. Pour ce faire, on aura un budget de 184 millions d'euros, budget faramineux pour un club qui dépense beaucoup habituellement au mercato. Voici d'ailleurs notre effectif avec une des dernières compos, un 4-2-3-1, compo très classique avec Martial en pointe, l'excellent Bruno Fernandes en meneur de jeu, Rashford et Juan Mata sur les côtés, McTominay et Fred devant la défense, une défense qui a subi beaucoup de critiques en début de saison, mais il y a du talent et de la jeunesse avec le capitaine Maguire, Wan-Bissaka, Deria dans les buts. On a aussi beaucoup de qualité sur le banc, mais des joueurs en difficulté ces derniers temps, alors qu'en réserve, eh bien, on a quelques petites pépites comme Pellistri qui a été chippé à l'OL au dernier mercato. Voilà, bah écoutez, maintenant que j'ai fait le tour, c'est parti pour ce nouveau projet. Et juste avant de commencer, je voulais remercier OneFootball qui sponsorise cette vidéo. C'est une application gratuite que vous pouvez télécharger sur votre smartphone. C'est la meilleure appli pour ce qui concerne toute l'actu du foot. Vous avez les transferts, vous avez les résultats, les classements, les statistiques, enfin tout ce qui est nécessaire pour être au courant du foot. Et si vous voulez la télécharger, vous avez juste à regarder dans la description, le lien est juste en dessous. Et pour cette première saison, j'ai vendu Eric Bailly pour 21 millions d'euros à Tottenham. Je me suis séparé de Lingard pour 11,7 millions d'euros à la Lazio. J'ai prêté également Brandon Williams à Benfica pour qu'il puisse poursuivre sa progression en ayant évidemment du temps de jeu, exactement comme Ethan Laird que j'ai prêté au Werder Bremen, mais aussi Facundo Pellistri dont je vous parlais tout à l'heure qui passera un an à l'Atalanta. Ensuite, j'ai vendu Juan Mata à la Roma pour 14 millions d'euros. Tout ceci nous faisant un total de presque 47 millions d'euros de vente. Et je m'en suis bien servi puisque j'ai recruté Paulo Dybala en faisant un échange avec Pogba plus 20 millions d'euros. Un échange qui pourrait se faire dans la réalité avec Pogba qui, vous le savez, n'est pas très heureux à Manchester. Et même s'il ne se fait pas, je le trouvais assez pertinent pour mon équipe. Je rajoute d'ailleurs que j'ai converti Dybala au poste d'ailier droit, puisque c'est là où j'ai besoin de lui, sachant qu'il a déjà joué à ce poste par le passé. Ensuite, j'ai recruté David Alaba pour 38 millions d'euros. Pour moi, c'est la recrue parfaite, il a de l'expérience, il peut jouer axe gauche aux côtés de Maguire qui est droitier. Il arrive donc en provenance du Bayern Munich. J'ai aussi pris Gustavo Assunção, un Brésilien qui nous rejoint pour 12,4 millions d'euros, une petite pépite en MDC qui a 86 de potentiel. Et enfin, j'ai recruté Pedrinho, un autre Brésilien de Benfica que j'ai pris pour 7 millions d'euros, plus un échange avec Nemanja Matic, ce qui constitue pour moi une très belle affaire. Ça fait donc 77,4 millions d'euros d'achat, ce qui nous fait un total de 30 millions dépensés pour ce mercato. Une somme très correcte quand on connaît les folies du mercato anglais. Voici donc l'équipe type pour cette saison. J'ai choisi de jouer en 4-3-3 avec Rashford et Dybala sur les côtés. Mon attaquant était Cavani pour cette saison, mais à l'issue de la saison, vous le voyez, il a beaucoup perdu en général. Au milieu, ça a été assez efficace avec un excellent Bruno Fernandes en meneur de jeu. Pour ce qui concerne la défense, c'est plutôt solide. Alaba qui a beaucoup apporté avec son expérience, mais latéraux s'en sont bien sortis. Mais c'est vrai que Telles n'était pas exceptionnel sur son côté gauche. Il avait pas mal de lacunes au niveau défensif. Cette saison, j'ai profité d'un banc assez fourni avec Fred, James ou encore Martial, mais ce dernier a manqué de beaucoup de finitions chaque fois qu'il est rentré. Et voici les moments forts de cette saison. Nous avons gagné un des deux derbies de Manchester, une victoire 2-1, mais c'est City qui a ouvert le score grâce à un but de Kevin De Bruyne. C'est Bruno Fernandes qui a égalisé suite à une belle passe de Van de Beek, un partout puis 2-1 en deuxième période. Dybala décale sur Rashford qui centre pour Cavani, tête un petit peu bizarre mais ça suffit pour tromper Ederson. Belle victoire face à City. Et voici le classement de fin de saison. Nous avons fini deuxième à un seul point de Liverpool, seulement 4 défaites pour cette année. En Ligue des Champions, on a fini premier de notre groupe devant Leipzig, c'est Paris qui est passé à la trappe. On a battu Séville en 8ème de finale 4-2 en cumulé. Nous sommes donc tombés contre Dortmund en quart de finale, une équipe assez dure à battre, mais nous sommes imposés 1-0 à l'extérieur au match aller. Après une combinaison entre Dybala et Fernandes, le portugais qui a éliminé son adversaire d'une fin de corps magnifique dans la surface, ce sera le seul but pour cette rencontre. Nous voici désormais au match retour. Tout devrait bien se passer à domicile et pourtant c'est Dortmund qui ouvre le score sur penalty. Haaland qui n'a pas tremblé face à Deria, 1-0 et 1 partout en cumulé. En deuxième période, Dortmund a passé la vitesse supérieure, Reus qui sert Haaland dans la surface, le Norvégien qui enchaîne sur une frappe, 2-0 pour les Allemands. Dernier ballon peut-être pour les Red Devils et non, l'arbitre qui siffle la fin du match. Victoire logique du Borussia Dortmund face à un Manchester assez inoffensif. Nous sommes donc éliminés en quart de finale de Ligue des Champions. Pour ce qui concerne les coupes en Carabao, on était sorti par West Ham 3-2 au 4ème tour. Ensuite en FA Cup, c'est Tottenham qui nous a éliminés en demi-finale, victoire 1-0 des Spurs grâce à ce but du Brésilien Lucas de la tête. Et donc voici les tops et les flops pour cette saison. Parmi les tops, je mettrai Dybala, la recrue.
49 matchs, 16 buts marqués, 15 passes D délivrées, notre moyenne de 7,40, vraiment excellent sur son côté droit. Je pense que sa reconversion sur le côté droit a été très très bonne, hein, sans trop de problèmes. Il s'est vite adapté en plus dans son nouveau club. Bruno Fernandes également parmi les tops, hein, voilà, on sait déjà dans la réalité qu'il est très fort, et c'est vrai que dans FIFA je me suis régalé aussi avec lui. 50 matchs joués, 19 buts marqués, 16 passes D délivrées, notre moyenne de 7,40, le métronome de cette équipe. Et parmi les flops, je mettrai quand même Martial, même si c'était pas toujours le titulaire principal, il a quand même peu apporté, hein, quand il est rentré. 24 matchs joués, 3 buts marqués, une passe D délivrée et une note moyenne de 6,40. Nous voici donc à la deuxième saison, et cette année, vous allez voir, j'ai fait beaucoup de ventes. Je me suis séparé de Marcos Rojo pour 4,2 millions d'euros, tout comme d'Andreas Pereira à Rennes pour 16 millions d'euros. J'ai vendu Luke Shaw pour 31 millions d'euros à Retafe, on peut dire que c'est plutôt une belle vente. J'ai aussi vendu Romero pour 3,6 millions d'euros et Phil Jones pour 5,5 millions d'euros. Et ce n'est pas tout, puisque j'ai cédé Fred au Barça pour 35 millions d'euros, là aussi une très belle vente. Et pour finir, j'ai prêté Ethan Laird à nouveau du côté de Bruges. Ça nous fait en tout 95 millions d'euros récupérés. On passe à mes recrues. Tout d'abord, j'ai acheté Grimaldo pour 55 millions d'euros. Un beau renfort pour le côté gauche. Ensuite, voici ma grande recrue pour ce projet. C'est Erling Haaland que j'ai recruté pour 135 millions d'euros plus un échange avec Martial. Et oui, ça fait beaucoup. Vous comprenez pourquoi j'ai beaucoup vendu. Et j'ai aussi recruté Ryan Brewster, le jeune buteur anglais de Sheffield, pour 7,7 millions d'euros puisque j'avais que deux attaquants axiaux. Ça nous fait donc un total de 198 millions d'euros pour les achats. Là, j'ai cassé la tirelire, hein, environ 95 millions d'euros dépensés pour ce mercato. Voici donc la compo type pour cette deuxième saison. Toujours le 4-3 et une attaque très performante composée de Rashford, Haaland et Dybala. Franchement, une attaque de rêve. Un milieu très bon également, même si le général est moins élevé. Notre point faible était sans doute en défense, avec Alaba qui a perdu 2 points en général au fil de la saison. Et ça s'est franchement beaucoup ressenti sur ses performances. Le banc et le jeune nous ont encore beaucoup apporté. Pour ce qui concerne les moments forts de cette saison, on a battu Chelsea 2-0 sur sa pelouse avec tout d'abord ce but d'Haaland suite à un appel en profondeur. Belle finition du Norvégien. En deuxième période, c'est Dybala qui a trompé Edouard Mendy d'un enroulé magnifique suite à un dribble sur Chilwell. Victoire 2-0 face à Chelsea. Ensuite, on a fait un carton face à Bournemouth. Victoire 5-0 avec un triplé de Erling Haaland. Il a d'abord ouvert le score d'une frappe surpuissante dans la surface. Son deuxième but était encore plus beau. Balle en profondeur de Fernandez. Petit décalage vers l'extérieur pour finir par un magnifique lob. Le score était alors de 3-0 à la mi-temps. C'est en deuxième période, hein, qu'il a marqué son troisième but. Penalty parfait malgré la bonne impulsion du gardien adverse. Ce match se termine donc sur le score de 5-0. Du coup, au classement, nous avons fini premier de Premier League à 5 points devant Liverpool. On remporte le 21e titre de Premier League pour les Red Devils. En FA Cup, on était sorti par Brighton au 6ème tour, 3 buts à 2. En Carabao, c'est Liverpool qui nous a éliminés au 4ème tour au tir au but. On passe donc à la Ligue des Champions et nous sommes sortis premiers d'un groupe assez difficile devant l'AC Milan. On a battu l'Atlético en 8ème de finale, 6 buts à 4, mais aussi Liverpool en quart de finale, 5 buts à 3. Nous sommes donc tombés sur le Real en demi-finale. Un gros morceau à battre, sachant que le match aller avait lieu au Santiago Bernabeu. Après un quart d'heure de jeu, les Merengues sont à l'attaque. Modric, c'est Rodrigo sur le côté. 1-0 pour le Real Madrid. Heureusement, il nous reste beaucoup de temps pour revenir, et justement en deuxième période, Haaland sert Van de Beek dans la profondeur, contrôle un petit peu long, mais il arrive à marquer un but partout face au Real. C'était plutôt un bon score, hein, pour ce match aller, mais les merengues n'ont pas abdiqué. Corner de Toni Kroos, Benzema qui gagne son duel, 2 buts à 1 pour les Espagnols, et c'est le score final de ce match aller. Nous voici donc au match retour à domicile, et dès le début du match, Haaland sert Bruno Fernandes qui lui remet dans la profondeur. L'occasion est idéale, la frappe est touchée par Courtois, mais ça rentre 1-0 face au Real. Après plusieurs occasions, Madrid reprend espoir. Toni Kroos prend Maguire de vitesse. Assez surprenant, hein. Le tac de Mondesi est désespéré. Kroos qui pique son ballon, un partout, un score qui nous élimine à la fin du match. Pas de finale pour cette saison, et du coup voici les tops et les flops. Parmi les tops, je mettrai encore une fois Bruno Fernandes, 60 matchs joués, 18 buts marqués, 20 passes D délivrées, notre moyenne de 7,50. Rashford aussi sur son côté gauche, vraiment très remuant, très très bon, et une très belle finition aussi puisqu'il a 60 matchs, 28 buts marqués, 7 passes D délivrées, notre moyenne de 7,40. Parmi les flops, je mettrai un seul, je mettrai Alaba, qui a eu du mal, hein, cette saison, mais c'est aussi dû au déclin en fait de son général. 42 matchs joués, pas de but, 2 passes D, 17 invincibilités et une autre moyenne de 6,30. On se retrouve donc à la troisième saison. J'ai vendu Telles au Bayern pour 55 millions d'euros. J'ai déjà Grimaldo, donc autant profiter de cette somme pour recruter. Je me suis également séparé de Lindelof, dont la progression n'était pas très bonne à Naples, pour 35 millions d'euros. Et c'est tout ce que j'ai fait, ça fait 90 millions récupérés, encore une belle somme. Pour les achats, j'ai recruté Romagnoli en défense centrale pour 30 millions d'euros plus un échange avec Alaba. C'est un très bon profil qui est gaucher, donc parfait pour ma charnière.
au milieu, j'ai acheté Kamavinga pour 80 millions d'euros. J'ai déjà deux bons milieux, mais Van de Beek n'est pas un titulaire indiscutable. Hein. Il n'est pas très régulier, donc voilà pourquoi j'ai recruté l'ancien René. Et pour finir, j'ai pris Kramaric pour avoir un bon remplaçant en buteur, sachant qu'il a signé pour 29,5 millions d'euros. J'ai donc acheté pour 140 millions d'euros, ce qui nous fait un total de 50 millions dépensés pour ce mercato. Vous découvrez ici la compo type pour cette troisième saison, la même formation mais des changements sur plusieurs postes. Kamavinga qui a pris la place de Van de Beek, même si le néerlandais a aussi joué comme je vous le disais. On remarque aussi le changement de gardien puisqu'Anderson a désormais 87 de général. Une défense très solide encore une fois, même s'ils n'ont pas beaucoup progressé pour cette saison. Et que dire de mon attaque, 91, 91 et 92 pour mon trio, c'est du très très lourd. À noter que j'ai aussi de très belles notes pour mes remplaçants, Kramaric qui a bien dépanné sur plusieurs matchs. Et voici donc les moments forts pour cette saison. En championnat, c'est payé Liverpool à l'extérieur 2-0 avec deux buts de Haaland et Rashford qui s'est joué d'Alisson sur cette action. Belle victoire à l'extérieur, tout comme dans le derby de Manchester, victoire 1-0 contre City. L'unique but a été marqué par Rashford sur une superbe reprise après un centre parfait de Dybala. Ederson n'a rien pu faire. On est très performant à l'extérieur et nous avons donc fini premier du championnat. Encore une fois, titre de Premier League, cette fois devant Chelsea, mais l'écart est plus conséquent. En FA Cup, c'est Liverpool qui nous a sorti au 6ème tour 2-1. En Carabao, c'est Sunderland qui nous a éliminé en quart de finale 2-1. Les coupes, c'est pas trop notre truc. En Ligue des Champions, nous avons sorti l'OL en 8ème de finale 3-2. C'était quand même plutôt serré. On a éliminé la Juve en quart de finale 5-4. Nous sommes tombés sur l'Atlético en demi-finale. Et au match aller, nous avons fait un but partout sur leur terrain. C'est Rashford qui a marqué pour nous, encore lui, hein, après une belle talonnade de Bruno Fernandes. Tout se jouera donc au match retour et ça sera à domicile, là où c'est vrai on a le plus de mal paradoxalement. Pourtant c'est nous qui avons le mieux commencé, Rashford tire Haaland dans la surface, le Norvégien se retourne, il n'est pas sur le bon pied mais il marque 1-0 face à l'Atlético. En deuxième période, Madrid a eu pas mal d'occasions à l'image de cette tête de Merino après un centre de Joao Félix. Malgré tout rien de très dangereux, il reste donc quelques secondes, corner pour l'Atlético frappé par Thomas Lemar, c'est pas bien frappé, le ballon est dégagé, c'est donc la fin du match. Nous rendrons à une finale de Ligue des Champions, c'est Liverpool que l'on affronte dans cette finale, un ballon adversaire, mais malheureusement Maguire, notre capitaine, était suspendu pour cette rencontre. Du côté des Reds, c'est un 4-3 avec peu de changements dans l'effectif. Il faudra faire attention à la triplette offensive Salah, Mané et Firmino. C'est parti pour cette rencontre et ces duels 100% anglais en finale de Ligue des Champions. Après un quart d'heure de jeu, c'est Manchester qui est à l'attaque. Kamavinga sert Haaland seul dans la surface. La frappe croisée qui rentre, déjà 1-0 dans cette rencontre. Un petit peu plus tard, les Red Devils sont encore à l'attaque. Rashford est lancé sur le côté. Centre très puissant. Haaland semble derrière Van Dijk, mais il arrive quand même à frapper. Précision parfaite du Norvégien. Ça fait 2-0 dans cette finale. Le temps additionnel est dépassé. Liverpool est à l'attaque, balle en profondeur pour Fabinho, mais Romagnoli est bien présent, l'arbitre qui cible donc la mi-temps, une première idéale hein, pour les Red Devils. En deuxième période, les Reds n'ont pas abdiqué, Sadio Mané hérite du ballon dans la surface, le dribble lui permet de se mettre en bonne position, Liverpool réduit le score, attention, le match est loin d'être fini, malgré tout c'est Manchester qui est à l'attaque, ballon sur le côté, centre rapide vers notre buteur, reprise de volée magnifique, c'est le triplé pour Haaland, 3-1 face à Liverpool. À un petit peu moins de 10 minutes de la fin du match, Liverpool est à l'attaque, petit centre pour Naby Keita, Romagnoli qui tacle de manière trop agressive, c'est un penalty pour Liverpool, ce péno qui est frappé par Fabinho, il choisit le milieu, Anderson avait choisi un côté, 3-2, gros suspense pour cette fin de match. Liverpool qui a hérité d'un dernier ballon après une mauvaise relance, Mané est servi dans la surface mais Romagnoli s'est bien repris, il dégage un peu mieux et l'arbitre qui siffle la fin du match. Victoire 3-1 des Red Devils face à Liverpool, Manchester United qui remporte cette Ligue des Champions, la quatrième de son histoire, et en l'absence de Maguire c'est McTominay qui la soulève, un vrai symbole hein, pour un joueur qui a été très bon cette saison. Et justement voici les tops et les flops, enfin pas les flops parce qu'il n'y en a pas, on a que des tops. Haaland 55 matchs, 24 buts, 2 passes D à délivrer, une note moyenne de 7,60, un grand artisan hein, de notre victoire en Ligue des Champions. Maguire également 54 matchs, 1 but marqué, 1 passe D, 23 invincibilité, une note moyenne de 7,30, même si il a été suspendu pour la finale, il a été très régulier cette saison, un vrai capitaine. Et enfin je mettrai McTominay également 55 matchs, 7 buts marqués, 13 passes D délivrés, une note moyenne de 7,40, excellent milieu, vraiment il a fait beaucoup de travail, que ce soit en récupération mais aussi en relance, aussi pour servir nos attaquants, vraiment très bon cette saison. Et comme d'habitude voici les meilleures progressions pour les joueurs de départ dans cet effectif. On a notamment Henderson qui s'est révélé sur la troisième saison, 87 de général, 7 points de prix. On a Maguire aussi, 87 de général, un défenseur extrêmement costaud, hein, témoigne ses stats. Pas aussi costaud, mais bien plus rapide, nous avons Wan-Bissaka, 89 de général, il n'a que 25 ans. Il y a un joueur que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est l'écossais McTominay, 87 de général, 8 points de prix, un joueur très complet. Voilà, après ils n'ont pas pris énormément de notes, mais on a Bruno Fernandes et Rashford à 92 de général, c'est quand même beaucoup, des éléments essentiels à mes réussites. Et c'est donc la fin de ce projet. Juste pour vous dire, je fais un concours pour gagner FIFA 21, mais aussi
aussi Football Manager 21 sur ma chaîne secondaire, donc la chaîne de foot. Vous avez le lien dans la description. Ça sera sur mon dernier journal de ce lundi. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir si vous voulez tenter votre chance pour le concours. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Profitez bien et donc je vous retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. C'était Maestro. Ciao.